C'est une belle vue, hein? Paris sous le soleil couchant, ça a quelque chose de magique. Ah oui, c'est une très belle vue. À Santa Barbara, ma maison donne sur la plage. Mon mari et moi, on ne se lasse pas de regarder le soleil couchant. Vous savez ce qu'il fait à cette heure-ci, votre mari? Oui, c'est à peu près l'heure du déjeuner là-bas, non? Donc il doit probablement travailler. La manière de vivre américaine. Ça le ferait rire de vous entendre dire ça. Il a le sens de l'humour, c'est très bien. Oui. Et vous aussi, vous devriez rire. Pour le moment, je n'en ai pas tellement envie. Je suis peut-être superstitieuse, mais j'ai peur que trop de confiance en l'avenir ne me porte malheur. Vous sentez nerveuse? Assez, oui. Tant que ça ne tourne pas à l'angoisse, c'est très bien. Et à propos de superstition, tenez, laissez-moi vous offrir ce porte-bonheur. Oh, merci, docteur, elle est magnifique. C'est une tradition, j'en offre une à toutes mes patientes. Une fleur, c'est le remède idéal contre l'angoisse et la nervosité. Oubliez vos appréhensions, ne pensez plus à l'opération, tout ira bien, faites-moi confiance. Je vous fais entièrement confiance. Parfait, c'est un très bon point. Et ce soir, j'exige que vous vous changiez les idées. Profitez de ce coucher de soleil. Détendez-vous, oubliez vos angoisses, reposez-vous. Et demain, nous gagnons la bataille. Je me sens prête. Parfait, vous en êtes sûr? Absolument, pour moi, cette intervention est synonyme de tant d'espoir. Je voudrais vous poser une question d'ordre personnel. Mais bien sûr, je n'ai pas le moindre secret pour vous, vous le savez. Vous n'avez pas expliqué à votre mari la raison de votre voyage à Paris parce qu'il n'aurait pas été d'accord, c'est cela? Si, il aurait été d'accord, c'est plus compliqué que ça, en fait. D'après ce que je sais, vous formez un couple solide, pourtant, il me semble. Oui, très solide. Alors, de quoi est-ce que vous avez peur? Vous savez, je n'ai pas peur, ce n'est pas ça. Mais avoir un enfant pour Cruz et pour moi, c'est très important. Alors, quand on m'a dit que je ne pourrais pas en avoir à moins de subir cette opération, j'ai préféré ne pas l'inquiéter avant d'être fixée. Je veux lui épargner cette angoisse. Est-ce que vous me comprenez? C'est très noble à vous, mais je pense qu'il y a une autre raison à votre silence. J'ai l'impression que plus ou moins inconsciemment, vous ne voulez pas affronter vos craintes. Ça ne me regarde pas, bien sûr, mais si vous me le permettez, laissez-moi vous suggérer une petite chose. Je suis convaincu que votre mari est un homme très bien et très compréhensif. Il vous aime, j'en suis persuadé. Oui, c'est vrai. Alors, vous allez lui téléphoner puisqu'il est midi là-bas et tout lui expliquer. Ce serait une bonne chose pour lui d'être à vos côtés. Il serait content de vous soutenir. Laissez-lui une chance d'être avec vous. Docteur? Bonsoir. Vous travaillez tard ce soir, vous n'avez pas oublié que vous avez une intervention à faire demain? Oh non, j'ai rien oublié du tout. Je viens de recevoir les résultats des analyses qu'on vous a fait faire ces derniers jours. C'est pour ça que je suis venu, je voulais vous en parler. Il y a un problème? Bon, pas très grave, rassurez-vous. Vous avez une légère anémie. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que je manque de toutes sortes de choses. Tout s'arrangera très vite, croyez-moi, mais malheureusement, je dois remettre l'opération. Oh non, combien de temps? Je ne sais pas moi, une semaine ou deux, le temps qu'on puisse vous retaper, vous comprenez? Vous allez prendre des protéines, des vitamines, vous êtes jeune, vous êtes solide, vous êtes belle. Ce ne sera pas bien long. Oui, mais deux semaines. Vous serez en pleine forme après ça. Et pour nous, c'est l'assurance que l'intervention se passera très bien. Ce n'est pas tellement ma santé qui m'inquiète, ce qui m'ennuie, c'est que ça va retarder mon retour chez moi. Vous ne dormez pas? Ne me dites pas que c'est à cause de moi. Ça ne vous arrive jamais de rentrer chez vous? J'allais partir et puis vous dites que je pouvais dire un petit bonsoir. Vous savez, il faut que vous dormiez, il faut vous reposer. Plus facile à dire qu'à faire? Bien sûr. Vous êtes un peu déçu parce que l'intervention a été retardée? Extrêmement déçu et déprimé. Ça fait toujours ça quand on attend impatiemment une chose et puis que la date est repoussée. Je sais pas, c'est peut-être un signe du destin. Ah, vous ne croyez quand même pas à ce genre d'enfantillage? Oui, c'est puéril, je sais. D'habitude, je ne crois pas trop à ce genre de choses, mais ces derniers temps, je ne peux plus rien faire. Tout est contre moi. Le temps va passer très vite, vous verrez. Et à mon avis, il passerait encore plus vite si vous retourniez chez vous, près de votre mari. Oh non, si je rentre encore, ça va me compliquer la vie. Je ne peux pas faire des allers et retours si souvent. Je ne vois pas comment je pourrais expliquer ça à Cruz. C'était faisable une fois, deux, ce serait trop. Pardon, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que cela qui vous ennuie. Non. Je n'aime pas mentir à Cruz. Bien sûr, c'est difficile de mentir. Je peux vous donner un conseil? Ne gardez pas vos problèmes pour vous. Confiez-vous de temps en temps, et surtout à votre mari.
Ce serait tellement simple de lui téléphoner, de tout lui avouer. Parlez-lui de l'opération. Il va comprendre et en comprenant, il pardonnera. Ne pensez pas. Non, pour être franc, j'ai peur de sa réaction. Il m'en voudra sûrement de lui avoir caché la vérité. J'ai bien peur qu'il soit incapable de me pardonner d'avoir menti et d'avoir trahi sa confiance. Il ne comprendra pas. Même si vous lui expliquez ce qui vous a poussé? Non, c'est quelqu'un qui ne ressemble à personne. Il a un code de l'honneur et il ne l'enfreint jamais. Il pense qu'on doit vivre en accord avec ses règles. Même si c'est dur. Enfin, vous voyez, il doit postuler pour l'auréole. Un petit peu comme un français, quoi. Jugulaire, jugulaire. Ah, c'est le latin. Bien sûr, ça explique tout. Vous aimez cet homme, n'est-ce pas? Oui, je l'aime. Alors, ne vous en faites pas. Les choses vont s'arranger. Je l'espère. Mais de toute façon, ce qui est fait est fait. Alors demain, je vais l'appeler pour lui dire que je vais devoir rester à Paris quelques semaines de plus.